Nous avons des voix certaines d'opposition en France qui vous reprochent d'avoir transporté le président ukrainien. Je pense que c'est l'honneur de la France d'avoir fait cela. Et je pense que c'est tout à fait cohérent avec la politique de. Maintenant, si c'est la paix, cherchons les. Dans quelques instants, j'essaie d'obtenir. Et d'ailleurs, résidence du G20, c'est une manière de bâtir la paix. D'abord, c'est pour nous, et à ceux que ça n'a pas une pour ceux qui soutiennent clairement l'Ukraine, et ceux qui disent soutenir la paix, mais sans qu'on sache parfois. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Nous avons nous-mêmes eu. Avec l'Inde, le Brésil et plusieurs autres disciples. La paix ne peut être qu'une paix durable, qui part du principe que l'Ukraine doit être respectée. Que le droit international, même si c'est un membre de l'Ukraine, et c'est de même que le bisort part du principe que l'Ukraine doit être respectée. La France. Bâtissons la paix, cherchant des solutions. De venir ici pour pouvoir. Dans quelques instants devant les membres du G7 obtenir des clarifications parfois sur les soutiens. Et je plaidais devant la troïka des présidences du G20, c'est une manière de bâtir. D'abord, c'est pour nous. La paix ne peut être que de paix durable. On part du principe que l'Ukraine va être respectée. Le droit international est respecté.